sommes dans la sublime halle Fraissinet à Paris. Ancien hall de la Cernam, qui était une friche industrielle depuis 5-6 ans, qui a été reprise depuis par un grand groupe français, Jolin, pour ne pas le citer, et qui l'exploite et qui en a fait un haut lieu de l'événementiel, notamment défilé de mode. Enfin, la structure du bâtiment fait plus de 200 mètres de long, et telle que justement elle se prête bien à tout type de rencontres, de meetings, défilés de mode et autres. Voilà, et pour la petite histoire, c'est ici qu'a eu lieu la soirée pré-mondiale du groupe Volkswagen AG, donc Monde, avec le release de la Sestolemento, le transfert de direction chez Porsche, etc. Donc ça avait lieu la veille des journées presse du Mondial. Et on a la chance unique de profiter de cet endroit avec une voiture qui est aussi unique, qui est le prototype 000 de la R8 GT. Il se trouve donc que nous nous trouvons à Halle Fraissinet, qui est un magnifique édifice basé en plein Paris, dans le 13e arrondissement. Il fait un petit peu froid, je vous cache pas, parce que c'est un peu en courant d'air. Il y a beaucoup de travaux également, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bruit. Audi R8 GT. Je précise que c'est l'exemplaire numéro 000 et Frédéric fait donc des photos. Voilà, donc nous en avons pour une bonne partie de la journée. Photos de détail, photos statiques, quelques roulantes dans Paris. Nous allons nous balader avec l'auto, nous allons vivre avec cette voiture pendant quelques jours. Et puis la semaine prochaine, tranquillement, nous irons sur circuit. Ça me paraît indispensable. Je déteste.